L'ancien président américain Barack Obama a été testé positif à la COVID-19. Le 44e président des États-Unis a tweeté qu'en dehors d'un mal de gorge, il se sentait bien et que l'ancienne première dame Michelle Obama avait été testée négative. Il a également ajouté qu'ils sont à la fois vaccinés et boostés. Le diagnostic d'Obama a fait de lui le deuxième président américain à être testé positif à la COVID-19 après Donald Trump. Les cas de Covid aux États-Unis ont diminué depuis leur pic fin janvier, lorsque Omicron avait balayé le pays. Depuis le début de la pandémie, les États-Unis ont signalé plus de 79 millions d'infections à la Covid-19 et environ 967 000 décès.